On s'est réunis à Marseille il y a quelques semaines pour organiser nous-mêmes, avec nos gouvernements, mais aussi nous-mêmes, ces réseaux d'accueil, ces réseaux de soutien. Puis nous avons aussi des revendications politiques qu'on n'est pas les seuls à porter, mais sur la révision de la Convention de Dublin, sur la mise en place d'un système d'alerte et d'accueil des réfugiés, de sauvetage des réfugiés, beaucoup plus ambitieux que ce qui a été décidé la semaine dernière, parce que ce qu'il faut dire, je pense, à tous vos téléspectateurs, tous vos éditeurs, c'est que ce problème, ce n'est pas l'Union européenne qui en a la responsabilité. La responsabilité, ce sont les guerres civiles, la pauvreté dans ces pays, ça c'est le long terme. Et puis ce sont les États membres de l'Union européenne, qui une fois de plus ont prouvé jeudi dernier qu'ils n'avaient pas de volonté politique, qu'ils n'avaient pas vraiment de vision commune des choses. Et c'est un peu service minimum ce qui s'est passé jeudi dernier, ou je dirais même du surplace.